Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment obtenir le quatrième cavalier, le fameux exotique que tout le monde connaît déjà. Et la quête, vous allez le voir, est assez simple, juste un petit peu longue à réaliser. Donc première étape, vous allez rendre visite à Zavala qui va vous demander de vous rendre directement dans sa planque. Et sans plus tarder, bien évidemment, je vous montre le chemin de cette fameuse planque. Pour la suite de la quête, vous allez devoir rendre visite à Anabrey qui va vous demander deux objectifs différents. Premier objectif, vous allez devoir éliminer des cabales et ou réaliser des événements publics sur Mars. A titre d'information, le protocole vous donnera environ 10% d'avancement dans cette quête, les événements publics 20% et les ennemis uniques moins de 1%. De nouveau, Anabrey va vous solliciter. Elle va vous demander d'éliminer des pions et de récupérer des coffres sur Mars. Là encore, pour info, il y a le secteur oublié en bas de la map, le souterrain de Mahadim, qui dure environ 3 minutes si vous n'éliminez que les pions et qui vous donnera 24% d'avancement. Un coffre à l'aide du spectre de Mars vous permettra d'obtenir 20% d'avancement et un pion fera quant à lui 2% sur la quête. Pour terminer, quatrième objectif, vous allez devoir rendre visite à Benoît qui lui aussi va vous solliciter. Il va vous demander de vous rendre sur la ZME afin d'éliminer des combattants, de réaliser des événements publics et de faire des missions de patrouille. Cette fois-ci, d'après mon point de vue, le plus efficace reste de vous mettre en escouade de 3 et de réaliser les missions de patrouille à la chaîne. Les missions de patrouille étant très rapides à faire, celles-ci vous rapporteront 5% d'avancement chacune. Vous pouvez toutefois réaliser les événements publics pour 5% d'avancement également, en épique 10%, et le nouvel événement public de la crique sinueuse coûtera quant à lui 10% d'avancement. Les ennemis et combattants, en revanche, ne représentent qu'1% ou moins de cette quête. Et c'est là que la quête se complique puisque cinquième et dernière étape, vous allez devoir réaliser le secteur oublié légendaire carrière sur la ZME. C'est ce fameux nouveau secteur oublié auquel vous pouvez participer en allant directement au bunker. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, le secteur oublié n'est pas celui de la carrière. Vous ne pourrez donc pas réaliser cette quête dès aujourd'hui. Il va donc falloir attendre de tomber sur le bon jour où se trouvera le secteur légendaire carrière en sachant que la rotation a lieu tous les jours à 18h. Une fois ceci terminé, vous obtiendrez donc votre quatrième cavalier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, un petit like si vous avez aimé, si cette vidéo vous a été utile. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !